Je suis ravi de revenir à, à Perpignan après 5, 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus exactement, pour vous parler de ce thème. Je vous parlerai donc de deux sujets, au fond du sacrifice, d'une part, à Rome, et de son reflet, comme Martin vient de le dire, sur les monuments. Je pourrais parler des textes aussi, le problème est le même mais c'est une source quand même un peu plus explicite euh, et parfois narrative, donc plus simple pour nous à pénétrer. Et les images posent notamment toujours pour les rites un problème spécial. Je pr précise tout de suite que malgré les, les compliments faits par Martin, je ne suis pas historien d'art, je me sers des images en écoutant les historiens d'art et en acceptant tout ce qu'ils me disent sur leur lecture, sur la façon de ne pas les lire, etc. Et j'essaye simplement de comprendre et de voir ce qui est représenté et comment. Je vous parlerai donc euh, pour commencer euh, du sacrifice, de ce que vous avez besoin de savoir pour suivre et pour comprendre ces scènes. Ensuite, nous ferons un rapide inventaire des scènes religieuses sur col cette colonne. Et enfin, euh, nous ferons un peu de religion de nouveau. Après les images, après avoir tout expliqué, nous reviendrons sur le sens de tout ça. Pourquoi ces images sur cette colonne Alors la colonne elle-même, euh, je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a eu beaucoup d'ouvrages de, depuis 20 ans sur ce monument qui a été nettoyé entre-temps. Et euh, je pense que Martin Gallinier vous aura largement euh, parlé de ce monument qu'il connaît particulièrement bien. Euh, je me limite à vous dire qu'elle euh, qu a été dressée entre 107 et 113 en gros euh, sur le forum de Trajan à cet endroit vous voyez derrière la basilique et euh, entre les deux bibliothèques latine et grecque je ne m'occuperai donc pas du tout de la question débattue sur sa lisibilité. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Et au-delà de, de la troisième, quatrième spire, vous ne voyez plus grand-chose. Il faut des lunettes et il faut pouvoir tourner autour. Euh, je m'occupe uniquement du projet. On entre dans l'atelier du sculpteur ou du concepteur de la, colline, de la colonne qu'il a dessinée et euh, peut-être des dessins exposés avant la finition des travaux, ou même les, les différents blocs euh, qui euh, étaient euh, sculptés avant d'être montés, etc. Alors commençons par faire euh, un rapide inventaire de tout cela. Euh, vous trouvez trois types d'images sur cette euh, colonne. D'abord euh, des scènes de lustrum, de lustratio, nous verrons ce que c'est, où vous voyez des soldats ou des individus qui conduisent des victimes autour d'un lieu, une ville, un camp, et au milieu de cette euh, agglomération, vous voyez un personnage, c'est l'empereur, qui sacrifie. Euh, sur un hôtel entouré euh, d'autres personnages. Il y a la scène 8, la scène 53, où vous voyez également la procession, et de nouveau la même scène dans le, le camp, et enfin celle-ci, la scène 3, où vous avez également de nouveau la même chose. On reviendra sur cela, on regardera ces scènes en euh, détail. Pour voir ce qu'ils nous apprennent sur le sacrifice. Et puis nous, nous demanderons quel sacrifice, qu'est-ce que c'est que cette histoire, avant de pouvoir raisonner sur euh, l'utilisation de tout cela comme image dans cette histoire d'une guerre, en fait. Le deuxième type de sacrifice concerne des, des moments de débarquement. Vous voyez euh, un fleuve ou la mer, et euh, des bateaux de guerre arrivent, des trières. Et euh, un hôtel est dressé sur le rivage où attendent euh, des citoyens qui accueillent euh, l'armée. Et vous voyez qu'ici, par terre, il y a un bœuf qu qui est déjà préparé. Autre scène, euh, de nouveau, on débarque. Et là, on est dans l'intérieur d'une ville. Euh, il y a manifestement un quai qui est symbolisé. Euh, un personnage, l'empereur, sacrifie. Et vous avez ici euh, une victime qui tire la langue et qui euh, est saisie à un moment particulier du sacrifice. Vous avez aussi une autre arrivée où euh, on sacrifie et vous voyez ici quatre victimes qui sont euh, préparées pour euh, recevoir euh, l'opération, pour, pour subir le rite. Et enfin une arrivée à cheval ou encore il euh, y a un hôtel préparé euh, pour recevoir euh, le, le voyageur, qui est l'empereur. C'est une image qui est moins, moins riche pour nous. Et enfin, il y a celle-ci qui se trouve, euh, encore une belle scène sacrificielle, avec un premier sacrifice, et à l'arrière-plan, un pont, alors on dit que c'est le fameux pont sur le Danube. Euh, euh, peu importe, euh, pour nous l'essentiel c'est de savoir euh, de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une arrivée ici, enfin on ne comprend pas très bien, disons, cette image-là. Voilà en gros ce qu'il y a sur la colonne. Il y a encore une autre image que je vous montrerai tout à l'heure qui est euh, du côté religieux, mais pour le reste c'est tout ce que nous avons. Pour comprendre euh, un minimum de ce que vous avez vu là, il faut savoir ce qu'est un sacrifice, quelles sont ses étapes et qu'est-ce que ces étapes signifient, ou ce que le sacrifice dans son ensemble signifie. Je vais vous détailler euh, rapidement euh, les éléments du sacrifice dont tous ne sont pas utilisés dans nos histoires, ou alors sont utilisés dans un certain contexte, quand ils ont un rôle à jouer. Un sacrifice commence, bon, je passe sur ce qu'on appelle la... Probation, probatio, la, la, le choix des victimes, puisque les victimes doivent être les plus belles, elles doivent être sans tard et tout ce que vous voulez. Et il y a un acte rituel obligatoire où on, on inspecte plusieurs victimes, on dit c'est celle-là, etc. On vérifie que tout est normal. Ce n'est jamais représenté, puisque c'est d'une telle banalité que tout le monde sait que ça a lieu. C'est comme si nous, nous représentions une messe, on ne va pas montrer le sacristain qui balaye l'église, allume les cierges, etc. C'est la banalité. De même que la procession, qui est toujours un élément euh, important d'ailleurs du sacrifice, parce qu'il relie souvent la, différents lieux dans, dans la ville, ou pire encore, ou mieux encore, à l'extérieur de la ville, euh, on va toujours d'un point à un autre pour sacrifier, ne fût-ce que de l'entrée du lieu de culte, qui est souvent un... Mettons un portique avec un temple au milieu, on va du bord du portique vers l'autel. Il y a au moins ce déplacement. Ce n'est jamais représenté comme tel. Mais vous verrez, euh, vous avez déjà vu qu'il y a des processions qui sont néanmoins représentées dans certains cas. Ensuite, je vous montre un peu de latin quand même. J'espère que vous arrivez à le lire. C'est euh, là ce que Georg Fissova, l'historien de la religion allemande du début du XXe siècle, a qualifié de euh, description la plus complète que nous ayons d'un sacrifice romain parce que très souvent nous travaillons avec des petits bouts euh, pris à gauche et à droite et comme nous connaissons la structure générale nous connaissons les différents actes mais ici pour une fois le rédacteur de ce collège sacerdotal, le greffier euh, a le secrétaire a pris la peine de décrire très précisément, les actes constitutifs d'un sacrifice. Euh, c'est un sacrifice qui a eu lieu le 3 janvier 87 après Jésus-Christ, donc sous Domitien. Et il s'agit du sacrifice d'acquittement des vœux pour le salut de l'empereur et euh, de l'État. Et euh, je vous le lis en français. Le même jour, au même endroit, sur l'aire du temple. Hein, euh, Ibidem, c'est au Capitole in area c'est dans l'air précédant le temple les rites romains se font essentiellement à l'extérieur des bâtiments de culte à ciel ouvert parce que c'est des rites collectifs et il, ne faut, il faut éviter d'exclure une partie de la population et puis on ne va pas dans la maison euh, du dieu en quelque sorte pour faire cela on y va en fait parce que les sacrifices sont des rites très longs, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas expédié en 20 minutes comme nos messes aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut durer des heures. Et il euh, y a aussi des rites qui se déroulent dans la cella du temple, mais ceux-là aussi ne sont pratiquement jamais décrits parce que ce n'est pas essentiel. L'essentiel est déjà passé c'est des, des développements du cœur du sacrifice. Ensuite, vous lisez que donc un tel Gaius Salvi, Salvius Liberalis, qui officiait à la place du président ou du magistère, du supérieur du collège des frères Arval, qui est une collectivité de douze prêtres de la plus haute noblesse romaine. L'empereur lui-même en fait régulièrement partie, et il y a un, un président annuel qui euh, célèbre l'hérité. Là, c'est un grand orateur, d'ailleurs, Salvius Liberalis, qui euh, était supérieur. Il sacrifia par l'encens et le vin, euh, in igne in foculo, dans le feu, sur le foyer. Vous voyez à quel point il est pédant. Hein? Il euh, sacrifie par l'encens et le vin, dans le feu, sur le foyer. Ce rite-là, euh, nous, nous l'examinerons. Et puis, l'imola par le vin, la farine et le couteau, hein, c'est des chinois quand vous lisez cela comme ça, euh, un bovin mâle à Jupiter, très bon, très grand, un bovin femelle, j'ai traduit littéralement « bos femina » pour une vache, hein, mais il parle ainsi en, en religion romaine, un bovin femelle à Minerve, un bovin femelle à Salus Publica, du peuple romain des Cuirites. Il offrit les fraissures, euh, Exta est un neutre pluriel, et comme il s'agit de, de quatre victimes, c'est les fraissures. La fraissure, c'est les organes sanglants internes, le cœur, le, le poumon, le foie, la vésicule biliaire et le péritoine. C'est le siège de la vie, hein, puisque c'est sanglant, et enfin ce qui produit le sang, ce qui est lié à tout cela, d'après les anciens, et c'est le siège de la vie. C'est ça la part divine, normalement, euh, dans un sacrifice. C'est la base. On peut y ajouter d'autres choses, mais ça, un, un, un mortel n'y touche pas dans le rituel romain. Voilà, et il offrit les fraissures cuites aulicocta, dans des, des marmites, aula, une houle, dit-on dans ces régions-ci, je crois. C'est le même mot. Donc, euh, cuisine du sacrifice, euh, qui est très importante aussi, parce que les dieux ne mangent pas cru. Il n'y a que Mars qui peut manger à moitié cru, parce que c'est un sauvage. Mais sinon, euh, les autres mangent civilisés, crus, des animaux domestiqués et euh, des, des, de la viande cuite, des, 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 des végétaux préparés. Voilà, euh, en gros, euh, ce qu'est euh, un sacrifice. Après, il y a l'abattage. On n'en parle pas là parce que c'est une évidence. On assomme et puis on le saigne, on l'ouvre, on regarde s'il est accepté ou non par la divinité. Un acte divinatoire. Puis, euh, si la divinité, euh, si tout est normal, il y a un spécialiste pour cela, on la découpe et euh, on sépare les extas, ces organes sanglants, qui sont tout de suite, euh, pour les grandes victimes, mises en, en, en marmite, en houle, et cuites sur, la, sur un feu. Pour des porcs, etc., c'est enfilé sur des brochettes et euh, cuit aussi sur le feu avant d'être. Euh, brûlés sur l'autel. Le vrai autel sacrificiel, ses organes sont versés dessus et brûlés. Et ensuite, euh, souvent, euh, il y a, théoriquement, il y a toujours un banquet, parce que les humains euh, participent en tant qu'acteurs au sacrifice. Un sacrifice, c'est en quelque sorte un, un banquet formel, splendide, qu'on à laquelle on invite une divinité ou plusieurs divinités avec lesquelles on partage un aliment vivant une vache un porc tout ce que vous voulez ou végétal euh, ça va de l'encens jusqu'à euh, au vin et euh, aux légumes euh, aux, aux céréales et tout ce que vous voulez et euh, ce partage se fait de façon très formelle la divinité reçoit sa partie très spéciale d'abord et pendant ce temps-là, personne ne bouge et on attend que la divinité, en quelque sorte, ait mangé, entre guillemets, par le, le fumet qui monte, monte vers elle. Et ensuite, le reste de l'animal ou des animaux est saisi, au sens littéral, par un geste d'appropriation qu'on ne voit malheureusement jamais sur les images, par les célébrants, partagés et ensuite euh, mangés suivant. Scénarios très divers. Ce n'est pas toujours représenté parce que, à l'époque où nous sommes, Rome par exemple, et vous voyez que là on ne parle pas du banquet du tout, euh, c'est une évidence aussi parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais à Rome, quand ils sacrifiaient là, le 3 janvier, on produisait, même les Arval produisaient euh, jusqu'à 5, 6, 7 tonnes de viande. Et vous comprenez que c'est difficile de distribuer cela et il est très possible que toute cette viande produite le 3 janvier ait été salée euh, et euh, mise en réserve pour euh, l'armée ou pour d'autres personnes, ou que cela ait été distribué dans les quartiers ou qu'on l'ait acheté dans les boucheries contre un prix euh, symbolique, etc. Donc c'est un problème en soi et c'est peut-être pour cela, parce qu'il n'y avait pas une cérémonie unique, qu'on euh, n'en parle pas. Dans les religions domestiques, dans les quartiers, euh, dans les associations au cimetière, on mentionne souvent le banquet parce que c'est des petites communautés et c'est très facile de décrire euh, ces choses-là. Voilà en gros euh, le sacrifice. Je dois encore ajouter que dans beaucoup de sacrifices, hein, des jeux, quand c'était vraiment des sacrifices solennels comme ceux euh, de... de de, de, de certaines fêtes publiques, euh, eh bien, il y avait des jeux qui terminaient, courses de chars euh, ou représentations théâtrales, ça dépend des fêtes et des divinités. Donc, vous voyez que déjà, ici, même quand on écrit, on réduit un grand sacrifice à un certain nombre de gestes. Et cette euh, réduction peut encore être plus grande, parce que souvent, on vous dit simplement. Euh, un tel a sacrifié à Jupiter, Junon et Minerve. Point. Il ne vous dit pas, pas plus. Et les Romains, évidemment, ils auraient pu vous dire tout ce qu'ils devaient faire, mais nous, nous sommes un peu désemparés. C'est notamment, je fais une petite parenthèse, tout le problème qu'on a quand on est en Italie, dans les cités, même romaines d'Italie, ou euh, dans les provinces. On a la même terminologie. Les mêmes représentations souvent, mais est-ce qu'on le faisait vraiment pareil Parce qu'il n'y avait aucune raison de faire exactement ce qu'on faisait au Capitole, dans la religion collective ancestrale de Rome, au bord du Tibre. Chaque cité, même une colonie romaine en Italie, avait le droit d'avoir ses propres traditions. Et elles en avaient. Donc euh, c'est là qu'on voit tout ce qui est passé dans les poubelles de l'histoire et que nous, dev, nous aimerions bien connaître parce que ce serait passionnant. Mais il faut avoir beaucoup de chance et trouver des documents qui nous en parlent. Euh, tous les sacrifices, évidemment, ne sont pas toujours pareils, même à Rome, euh, au port du Tibre, parce que ce n'est pas comme la messe qui est un rite qui... Commémore un élément de la mythologie chrétienne, c'est-à-dire des évangiles, euh, la scène, etc., et qui obéit toujours au même scénario, strictement. Euh, et il faut une réforme pour qu'il y ait une forme un peu différente de la messe. Mais en gros, c'est toujours la même chose. Chez les Romains, non. Euh, tout rite peut toujours être spécifique, puisque comme il n'y a pas de révélation, comme il n'y a pas de doctrine qui explique tout cela, mais seulement une tradition gestuelle, orale en général, et euh, qui euh, parfois donne lieu à une jurisprudence euh, s'il y a des problèmes, eh bien, euh, il peut y avoir euh, beaucoup d'éléments qui sont différents, suivant les fêtes par exemple, parce que le sacrifice lui-même, les rites, sont significatifs. C'est cela la révélation, c'est ce que vous faites devant le temple qui énonce certaines choses concernant, mettons, tel jour ou telle divinité. Donc, euh, il y a des différences et vous avez déjà vu euh, sur les images qu'il y a différents types de sacrifices et des sacrifices qui ne sont pas euh, identiques. Commençons alors par regarder de près ce que nous avons en, en commençant par le plus simple ou peut-être le plus difficile, c'est-à-dire les sacrifices liés aux arrivées. Euh, vous voyez que... Euh, ah oui, je, je veux quand même vous parler euh, des, des images de, de tout ce que je vous ai montré. Je vous ai parlé de euh, sacrifice par l'encens et le vin sur le foyer. Voilà une image qui vient de l'Arc de Triomphe de Marc Aurel sur le Capitole, où vous voyez à l'arrière-plan le Capitole, où nous étions tout à l'heure. Là, il s'agit d'un sacrifice qui met un terme au, au triomphe, et vous avez un, un bœuf à l'arrière-plan, euh, le sacrifiant ici euh, tête voilée en toge, parce que le Romain, quand il officie, se voile la tête. Euh, et euh, il offre... Quelque chose d'une patère sur un trépied, un hôtel portatif circulaire. Et à côté, on le voit mal ici, il y a un gamin ou un serviteur représenté plus petit qui euh, tient une, une boîte avec des graines d'encens et souvent il a aussi, on ne le voit pas ici, une cruche pour le vin. Donc voilà ce que veut dire euh, le, le, le secrétaire des Arval quand il dit qu il sacrifia par l'encens et le vin sur le feu, sur le foyer. C'est un foyer portatif. Derrière, vous avez un joueur de flûte, puisqu'en général, le rite était silencieux, respectueux, et la musique, qui non seulement charmait les dieux, euh, couvrait aussi tout euh, bruit euh, qui devrait se produire. Puis vous avez à côté un personnage, euh, un appariteur sacrificiel de l'entourage du, du magistrat qui tient une hache, vous le voyez, l'acteur principal, le bœuf, et puis à côté ici le flamine de Jupiter, qui est le prêtre de Jupiter qui est là euh, pour représenter en quelque sorte le dieu. Voilà donc euh, une, euh, une entrée en matière, ce sacrifice par l'encens et le vin, qu'est-ce qu'il signifie il signifie que l'on salue les dieux parce que l'encens était, d'après les traditions antiques, un aliment typiquement divin. Les dieux adoraient l'encens. Il était recueilli euh, de façon rituelle, d'après eux, en Arabie et euh, il ne servait qu'à cela. Aucun humain ne mangeait de l'encens. C'est d'ailleurs pas très bon. Mais euh, les dieux adoraient ça, surtout si on le mélange avec du vin. Le vin pur, pour les anciens, était un breuvage réservé aux dieux. Les humains coupaient toujours le vin, sauf les Gaulois. Et, euh, et euh, c'était un breuvage de souveraineté, lié à Jupiter, d'ailleurs, qui exprime le pouvoir absolu. Et vous, pouvez, vous avez certainement fait déjà l'expérience de son pouvoir redoutable. Les dieux adorent le vin mélangé à l'encens parce que c'est un, un aliment typiquement qui assiste sur leur immortalité, ça c'est l'encens, c'est comme ça que les Romains et les Grecs le comprenaient, et le vin, la souveraineté. Donc on salue en quelque sorte par ce geste sacrificiel, c'est un premier sacrifice, euh, et vous avez d'ailleurs le terme employé dans l'inscription. « Vous saluez, toi, l'immortel qui est immensément supérieur. » Voilà, c'est une adresse qu'on fait euh, gestuellement aux divinités. On n'a malheureusement pas euh, les prières qui se récitaient à ce moment-là. C'est un des déficits que nous avons. Donc vous voyez, il sacrifia, euh, fait quitte, ce verbe typique, on fait par l'encens et le vin. C'est le langage sacrificiel, c'est l'acte. Par excellence, on fait sacrifiquium. Et euh, deuxième acte, vous voyez, il immola par le vin, la farine et le couteau. Vina vino mola cultroque immolavit. Euh, le vin, vous connaissez. Le couteau aussi. La mola, c'est une farine salée qui est préparée chaque année à Rome par les vestales lors de certaines fêtes et qui est une denrée utilisée dans les sacrifices, soit dans ce rite-ci, soit parfois même quand on fait l'offrande, on saupoudre de nouveau cette farine sur la partie qu'on offre. On a peu de représentations de, de ce rite. Voilà un des gestes, n'est-ce pas Il met de la farine ou du vin sur la tête de l'animal. Il fait ces trois gestes. Et le, le troisième, une amie qui est fait des, des, des bandes dessinées, euh, a dessiné ce moment-là. Elle aurait pu faire une toche blanche, mais enfin, bon, elle a certaines licences et donner des mines moins patibulaires à ces braves fonctionnaires publics. Les syndicats chez nous protesteraient. Euh, vous voyez donc le monsieur avec la hache et l'autre qui a les couteaux. Et euh, l'acteur euh, a sur le dos cette large bande euh, ornée et des bandelettes ici. Et il fait le geste avec le couteau qui va passer sur l'échine. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie immoler, mettre de la mola sur. Vous comprenez le, le sens euh, On met cette farine. Qu'est-ce que ça veut dire Mettre du vin, de la farine sur un animal et puis promener un couteau sacrificiel sur son échine. Ça veut dire deux choses. Et là, nous avons des prières. Ça veut dire qu'on s'adresse à la divinité, mettons Jupiter, et à ce moment-là, on met le vin. Souveraineté absolue. Puis on met la mola, la farine, et à ce moment-là, nous savons qu'il récite, Moi, tartampion de Rome, je t'offre. Cette, cette victime, et quand il dit j'offre, il promène le couteau, c'est le verbe de l'affaire, c'est-à-dire je vais t'abattre, je vais t'offrir et mettre à mort cet animal. Cette farine renvoie à l'identité de celui qui sacrifie. Il est fabriqué, elle est fabriquée au foyer de Rome, sur le forum, dans la maison des Vestales, de même que sur le rite précédent, l'encens et le vin sont offerts sur un foyer portatif qui représente le foyer où cela se passe. C'est le, le complément de lieu, si vous voulez, du rite. Ensuite, euh, donc là, ça s'appelle, on a consacré l'animal, on l'a transféré dans la propriété divine. Ensuite, on le dépouille, là, on vous dit simplement, euh, il offre, et puis euh, on passe le reste sous silence, parce qu'on ne parle jamais, en principe, ou très peu, de la mise à mort particul, par, enfin, de l'animal. En, en tant que tel, sauf s'il y a un problème, si un animal euh, se réveille et s'enfuit avec le couteau dans la gorge, alors c'est un mauvais signe. Et là, on en parlera. Mmh. Et euh, en revanche, sur les monuments, comme dans la caserne des, des vigiles à Hostie, caserne des pompiers, on vous montre euh, plusieurs euh, autour d'un hôtel plusieurs euh, taureaux qui sont en train d'être euh, abattus, et euh, là, celui-là est abattu, et on commence à le mettre en morceaux pour le partager. Hum. Euh, C'est une scène qui n'est euh, pas très fréquente, mais qu'on a, et a notamment sur cette image-là, euh, cette mosaïque, il y a un taureau avec la langue qui sort juste au moment où on va... Euh, le mettre en morceaux à coups de hache. Et vous avez de nouveau vu à quoi sert la hache en question, une de bouchier, boucher. Et puis parfois, il y a une représentation de banquet, comme sur ce banquet des Vestales à Rome, où vous les voyez euh, attablés euh, autour de nourritures qui peuvent être euh, des nourritures sacrificielles, même si nous ne le savons pas avec certitude. Néanmoins, euh, il y a ce genre de choses. Voilà, euh, vous avez en gros euh, la, le scénario euh, auquel vous devez vous attendre et nous pouvons maintenant regarder nos images. Commençons euh, par les arrivées. Euh, Celle-ci, où vous voyez arriver euh, quelqu'un, euh, vous avez un hôtel qui brûle et euh, là une victime qui est couchée par terre déjà. Et. Euh, qui est apparemment assommée, elle n'est pas encore mise en morceaux, mais elle est, euh, elle est là. Est-ce qu'elle est tenue par terre On ne le sait pas. Euh, souvent, on tire par une corde la tête de l'animal par terre, à travers un anneau, on tire une corde qui est attachée au cou, de sorte que l'animal consent en quelque sorte au rite. Et, euh, mais là, on ne sait pas plus. Vous voyez, c'est assez sommaire, mais vous voyez que le feu brûle. Manifestement, la libation initiale le, avec l'encens et le vin a déjà été faite, même que l'immolatio, c'est une façon de condenser déjà de beaucoup euh, le rite. Et on ne peut pas dire grand-chose puisqu'on ne voit pas d'acteur. Euh, ici, les choses sont plus simples. Vous avez de nouveau la même scène. Vous voyez que l'animal a été euh, assommé et peut-être euh, saigné. Et euh, on a l'impression que le, le sacrificateur, l'aide boucher qui fait cela, attend une parole de la part du sacrifiant, qui lui est toujours en train, euh, vous voyez toujours, il y a je crois un joueur de flûte, et ensuite il y a euh, l'offrande par la patère d'encens et de vin sur l'autel. Il est représenté dans ce geste d'ouverture, de, de, de salutation de divinité. Euh, on a l'impression qu'on a condensé ici deux moments du sacrifice. D'un côté, l'ouverture par l'encens et le vin, qui en lui-même exprime l'intention sacrificielle. C'est déjà un sacrifice non sanglant, comme on dit dans le jargon, mais qui se suffit à lui-même. Et beaucoup de sacrifices étaient faits uniquement par l'encens et le vin. C'était assez courant. Et là, donc, il a ouvert et euh, il est saisi au moment, en plus, on condense, où euh, le, les, les sacrifiants ont déjà assommé euh, l'animal, à coup d'âge ou de masse, et euh, il attend le moment de le saigner. Et pour cela, il doit toujours faire euh, euh, recevoir l'ordre du sacrifiant, qui lui est le maître du sacrifice. Là, c'est l'empereur qui arrive. Euh, à Rome, c'était un prêtre, ça peut être le consul, ou euh, dans une cité, le doumvir, ou celui qui a l'autorité temporelle. Donc, vous voyez, il y a ces deux euh, choses-là qui sont représentées, ces deux moments. Ici, euh, c'est encore plus splendide. On a toujours le même geste de, de l'offrande initiale pour marquer piété, sacrifice. Et si vous regardez bien, à l'arrière-plan, il y a quatre victimes, chacune avec son euh, sacrificateur, avec la masse sur l'épaule, près d'un autel, chacun. Parce que euh, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a quatre divinités en cause. Ailleurs, vous n'avez vu qu'une victime, un autel. Mais quand vous euh, sacrifiez, comme sur le Capitole, à quatre victimes, il faut quatre autels parce que les dieux ne peuvent pas supporter de recevoir leur part sur le même autel. Il y a même une jurisprudence dans ce, dans ce, 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 ce sens par les pontifs. Donc nous savons là que nous sommes en face d'un sacrifice où quatre divinités seront invoquées. Ensuite, ben ça c'est le même. Euh, et euh, ensuite, il y a une scène, euh, celle qui est devant le pont, là, euh, où nous avons de nouveau un bœuf, il y a des militaires, cette fois-ci. Euh, lui, il regarde vers euh, l'empereur qui sacrifie, nouveau sacrifice préliminaire. Vous voyez l'enfant le, le euh, ou le serviteur avec la boîte d'encens, et derrière le joueur de flûte, puis l'entourage de l'empereur. Euh, Scène classique, et euh, vous voyez aussi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il se regarde en quelque sorte, parce que le début est fait et euh, le serviteur, l'appariteur la, euh, rituel, est saisi au moment où il attend l'ordre Vas-y, aguerre, ça veut dire. Il demande Agoné, est-ce que j'y viens Aguer dit, », euh, dit le, le magistrat Vas-y, fait, agit. Et euh, donc, il euh, y a toujours cette communication qui est représentée. Mais vous voyez, c'est une condensation à l'extrême euh, du rite. Et vous voyez aussi, aussi, aussi ils ont fait euh, l'économie du foyer portatif. Parce qu'à Rome, quand on est très précis, on vous représente le sacrifice initial par l'encens et le vin au moyen d'un hôtel, d'un trépied réel. Et vous voyez aussi dans le texte, on dit la même chose. Mais ici, euh, on a simplifié, on a mis un seul autel. Normalement, l'autel de pierre ou de motte de gazon euh, quadrangulaire euh, sur lequel brûle un feu, c'est l'autel euh, sacrificiel pour la véritable offrande, enfin l'offrande principale, les extats d'une un, vache, etc. Ici, ils ont fait un raccourci. Ce n'est pas une hérésie parce que sur certains grands hôtels, il était tout à fait possible que dans un coin, il y ait eu un foyer circulaire qu'on a dressé ce jour-là. Donc on faisait le feu à deux endroits différents. Euh, ce feu, cette flamme du foyer, il est même possible, à Rome en tout cas, qu'elle ait été allumée au foyer de Vesta, que c'est le foyer domestique de Rome qui brûle les sacrifices. Ça expliquerait notamment pourquoi il euh, y avait des, des, du feu, qui, des, des torches, etc., qui étaient portées euh, dans l'entourage des consuls, même de, en plein jour, etc. Ça peut être le feu sacrificiel qu'ils transportaient avec eux. Bien. Maintenant, euh, qu'est-ce que c'est que ces sacrifices euh, On ne sait pas très bien, n'est-ce pas euh, Ça peut être, euh, oui, là, euh, encore une fois. C'est une scène du même type. On est avant, tout est préparé pour le sacrifice. Les serviteurs sont là, le bœuf aussi, et l'empereur arrive et il va sacrifier. Maintenant, euh, euh, pour euh, nous, euh, nous faire une idée, c'est quoi les sacrifices Qu'est-ce qu'ils signifient, ce que je vous ai montré Manifestement, l'empereur débarque ou entre dans une ville. Pourquoi sacrifie-t-il Pourquoi représente-t-on cela euh, une première euh, réponse, notamment quand on débarque euh, de quelque part euh, de, de, de la mer. mettons, euh, il peut s'agir de l'acquittement de vœux. le vœu romain était euh, un des moteurs principaux de la vie rituelle parce que, en permanence, avant chaque action, on formulait un vœu conditionnel. et si les dieux faisaient ce que vous attendiez, une fois que vous aviez réussi, eh bien, vous étiez immédiatement obligé d'acquitter le vœu, qui se traduisait normalement par des sacrifices. Je vous montre un exemple concernant cette guerre, la guerre de 101 et de 105. Là, c'est 101. Au moment du départ de, de, de l'empereur, vous avez euh, toute une série de sacrifices, qui, enfin, de vœux qui sont formulés un certain nombre de divinités, je vous le montre ici, à Jupiter, vous voyez, vous avez toute la prière, à Minerve, et ensuite à Junon, à Salus Publica, et il euh, y a Iovis Victor, il y a Mars, Mars, euh, Mars Pater, Mars Victor, Victoria, Fortune du Bon Retour, euh, Vesta, euh, Vénérable Vesta, Vénérable Neptune, Hercule Victor, Hercule Victorieux. Donc toutes ces divinités reçoivent au moment où euh, Trajan part en guerre une prière, euh, un, 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 une promesse euh, de Jupiter, nous te prions de faire que l'empereur, etc. Euh, et tout ça est d'une précision très pédante, pour que surtout il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on demande, parce que les dieux ont une sorte d'humour noir ou euh, sont assez bêtes pour faire ce que vous lui demandez. Si vous faites une erreur, ben, il donne ce que vous avez demandé. Revienne bien, heureusement, indemne et en vainqueur des lieux et provinces dans lesquels il, il se sera rendu par terre et par mer, de lui donner bonne réussite, etc. Et euh, si tu fais cela de cette manière, alors nous, nous formulons le vœu, un bœuf aux cornes dorées te sera sacrifié au nom du collège des Arvales. Nous sommes chez les Arvales et puis Junon, même prière et même prière pour tout le monde. Donc on peut se demander si euh, quand il, euh, vous le voyez débarquant d'un bateau, la euh, première idée qui, moi, me vient à l'esprit, c'est de dire, mais ma foi, là, nous avons un sacrifice d'acquittement de vœux pour la bonne arrivée, notamment sur Terre. Neptune est euh, compris dans ses, euh, ses vœux. Et euh, à chaque fois qu'on prend euh, un cours d'eau ou... Euh, un voyage sur la mer, euh, même si c'est du cabotage, les anciens acquittaient le vœu dès qu'ils arrivaient sur la plage, souvent. Paul Veyne a écrit dans le temps un petit article sur cela. On arrive sur la plage et on acquitte tout de suite le vœu, parce que les dangers de la navigation étaient très grands. Et si vous aviez même des problèmes, il était traditionnel, euh, si vous aviez échappé au naufrage, de se raser euh, la tête et d'offrir la chevelure. Euh, C'était une tradition euh, assez courante. Bon, donc un certain nombre de ces sacrifices de débarquement peuvent être euh, des sacrifices d'acquittement de vœux. Euh, maintenant, des arrivées euh, dans des villes aussi euh, sont un mot encore. Vous me direz, oui, mais il a fait ce vœu à Rome, alors il arrive à Ancône ou euh, il arrive à, en Croatie quelque part. Il débarque, alors le vœu est acquitté, donc c'est fini, pas du tout. Euh, c'est ce très complexe, les, les questions euh, votives. Ce vœu-là devra être acquitté au Capitole à Rome, quand il sera définitivement revenu. Mais à chaque fois qu'une un, étape de la guerre, que ce soit une victoire militaire ou euh, une arrivée euh, dans un lieu ou surtout un débarquement aura eu lieu, il fait ce qu'on appelle une recommandation de vœux, commendatio, c'est-à-dire il offre la chose promise à la divinité en question, mettons Neptune, quand il dé débarque, et ensuite il, euh, il formule le même vœu pour la suite. Il dit, je rappelle que tout ça porte sur toute mon, mon activité. Euh, C'est ainsi. Un exemple, quand euh, Domitien a eu en 81, avec son frère Titus, qui était l'empereur, on a formulé pour leur salut des vœux comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure au Capitole, le 3 janvier. En été, Titus meurt et en septembre, Domitien, enfin les, 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 les magistrats et les prêtres de Rome, font une recommandation des vœux. Il ne parle plus de Titus, l'affaire est finie, quand les dieux ne font pas ce qu'ils étaient censés faire, il n'y a pas d'offrande. C'est un, un vrai contrat, si vous voulez. En revanche, Domitien, ben, il est toujours là et on rappelle aux dieux que, voilà, on vous donne euh, un sacrifice. Jusqu'à présent, ça s'est très bien passé malgré les malheurs, mais euh, jusqu'au 3 janvier prochain, nous aimerions que ce soit pareil et on énonce un nouveau vœu il est possible que c'est ça qu'on représente. Et si on le représente, c'est que c'est important. Parce que les vœux, l'acquittement des vœux, c'est des serments qu'on a faits. Ce sont les pires fautes qu'on puisse commettre de ne pas tenir parole, notamment à l'égard des, des dieux. Euh, il y a une scène, vous vous rappelez, je ne sais pas où elle est, où il y a quatre victimes. Moi, je suis déformé, mais je dis tout de suite... Euh, Triade Capitoline plus Salus. Euh, ça, on peut avoir là euh, une sorte d'acquittement de vœux euh, pour la, le salut de l'empereur pour une raison que nous ignorons. Ça pourrait être ça. Donc Jupiter, Mars, Jupiter, Junon, Minerve plus Salut public du peuple romain. C'est une possibilité. Hein, donc je vous dis que ça peut faire sens et peut-être des Romains pouvaient penser la même chose que moi. Mais maintenant, il peut aussi s'agir d'autres divinités qui, à une occasion particulière, ont donné lieu à cela. Vous voyez aussi comment l'artiste varie avec les représentations à chaque fois. Il joue avec les différents éléments. Mais rien ne nous dit que les éléments ne sont pas significatifs, comme les quatre autels et victimes ici. Souvent, ce genre de scène était prise sur le réel. Il devait avoir des dessinateurs avec euh, l'empereur, et il faisait des esquisses de ce qu'il voyait, et c'est ça qui euh, servait ensuite à produire ces scènes condensées où il faisait un choix ou un autre. Hum, on le voit très bien pour d'autres euh, images. Donc, vous voyez, on n'est pas sûr de, de tout, mais on commence à comprendre. Et puis il y a les scènes les plus claires. Là, nous savons de quoi il s'agit. Les trois lustrations, lustrationes. C'est un, un problème euh, très complexe. Euh, alors, la représentation. Vous voyez trois victimes un taureau. Enfin, il faut commencer là. Un verra, euh, un bélier. Ici, le verra est là. Un bélier. Et un taureau. Et vous voyez qu'ils sont ornés comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il y a la, la, la bande large qui est sur le dos euh, des, de, de, du taureau. Le cochon on voit pas, mais euh, il l'a aussi. Et ils ont tous des, des bandelettes. Le bélier aussi, mais comme les béliers sont de haute laine, euh, il n'a pas besoin d'avoir de la laine sur le dos. C'est une tradition. Euh, ces victimes sont promenées toujours par les sacrificateurs avec leurs haches et des personnes en civil ici euh, autour de cette localité à l'intérieur vous voyez de nouveau condensation du tout le maître du sacrifice l'empereur en civil la tête voilée qui offre l'encens et le vin vous avez le serviteur le joueur de flûte euh, en face et euh, il est en train de faire le sacrifice du début, ce qui signifie sacrifice, hein, office religieux. Et cela, ils vont faire le tour et ensuite entrer et on va sacrifier ces trois victimes au dieu Mars. Euh, ici, la, la, la procession est, est, est... Là, vous voyez une procession et vous verrez qu'elle est nécessaire dans la représentation. Vous voyez le, le, la procession qui passe. Les sacrificateurs avec leur masse, les trois victimes qui, qui, qui marchent devant et qui vont entrer vers l'autel où l'empereur, en toge, la tête voilée, fait le sacrifice initial. Toujours là, c'est vraiment canonique comme représentation. Et aussi dans le troisième, où vous voyez bien pour une fois le Véra ici avec sa bande et ses, ses, ses bandelettes. Le taureau, il est un peu derrière et vous voyez bien la masse de, qui sert à le tuer. Et vous voyez aussi qu'il y a euh, des instruments de musique, mais militaires cette fois-ci, des, des, des tibikines et cornikines qui euh, font de la musique, alors qu'ici, c'est plutôt la flûte et vous voyez toujours l'empereur en train de faire le sacrifice pré préliminaire. Alors, Qu'est-ce que cela signifie Vous avez vu que dans les autres sacrifices, sauf un, en général, c'est les citoyens d'une ville en civil, en toge, qui accueillent l'empereur. Euh, ici, euh, vous avez souvent, c'est souvent un camp militaire, parce qu'à l'intérieur de ces remparts, vous voyez les tentes, c'est vraiment des camps hein, qu'on représente là. Et euh, néanmoins, il y a de la musique militaire mais tout le monde est en civil, l'empereur est en toge, etc. Ce n'est pas intéressant. Ici, une petite parenthèse pour vous expliquer ce rite, j'ai encore le temps, je pense, pour faire cela. Oui. Euh, C'est ce qu'on appelle faire un lustrum, lustrum condere, littéralement fonder le lustrum. Qu'est-ce qu'il s'agit Lustrum est un mot très débattu qui euh, a deux sens, il y a l'un avec euh, un « u » bref, l'autre qui a un « u » long, « lustrum ».« Lustralis » signifie « destiné à purifier, moyen de purification, etc. » qui vient de « luo »,« laver »,« expier ». Ce que je vous dis n'est pas entièrement clair, je ne suis pas entièrement satisfait de ce qui se dit. Il y a toujours un travail linguisto-historique à faire sur ces deux termes, parce qu'il y a une confusion générale. Euh, lustrum, euh, signifie, euh, éclairer, « Lustrum » signifie « éclairer, amener de la lumière hein, ». C'est lié à « lux », à « lukeo euh, ». C'est amener de la lumière dans quelque chose, éclairer, contempler, parcourir, traverser, aller tout autour. « Lustror », le verbe, c'est parcourir les mauvais lieux. C'est dans la comédie chez Plautre. Ils font beaucoup de lustratio au sens moyen, qui est, ils font les, les maisons closes de la ville. Et puis il y a le lustrum, rite de circumambulation. C'est celui-là qui nous intéresse. Il y a toujours eu beaucoup de discussions sur cela. Les étymologies n'ont jamais été pleinement convaincantes pour tous. Même le long article dans le Thésaurus de la langue latine, qui est un gigantesque dictionnaire fabriqué à Munich depuis un siècle et qui date de 66 pour notre article, reste circonspect tellement les confusions sont nombreuses. Mais il y a quelques années déjà, Henk Versnell a euh, prouvé, euh, de façon à mon avis définitive, que, euh, que le lustrum du peuple romain ou d'une armée ne pouvait pas être une purification, comme on traduit régulièrement, puisque ces actes ont régulièrement lieu avant une action et non pas après. Au moment où le rite est célébré, personne n'est encore souillé, pour ainsi dire, et il s'agit d'un rite de circumambulation suivi d'un sacrifice qui constitue et protège l'entité ou le groupe concerné. Ce que vous avez ici, une procession autour, puis sacrifice, en relation avec ce camp notamment. Et souvent, la, le contresens vient du fait qu'on a une façon, euh, quand on voit l'oustro, euh, on dit c'est purifié. On fait déjà une con, un contresens sur les deux racines possibles du mot. Et en plus, euh, quand on voit expier, on expie ses péchés. C'est comme si on confessait les soldats avant une bataille, etc. Il ne s'agit pas de ça. Quelle faute ils ont à se reprocher Aucune, parce que ce n'est pas après la bataille, mais avant. L'emploi le plus connu euh, de ce terme, de ce rite, c'est celui qui est lié à, au recensement, à la censure, quand on constitue le peuple romain, où chacun vient se déclarer, où on fixe ses devoirs militaires notamment, et aussi euh, on l'inscrit dans une classe fiscale, si vous voulez, ou de, de, de richesse. Euh, le plus célèbre, c'est évidemment le sens, et puis après, il peut aussi y avoir euh, des illustrations d'armées. en donne l'histoire dans son histoire romaine, et le premier sens est celui de, 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 de Servius Tullius, où il dit qu'une fois l'armée, c'est-à-dire en fait le peuple romain mobilisable et classé par centurie et classe, une fois que l'armée fut rangée en ordre, il constitua ses troupes parle des suovetoriles et il donna à cette cérémonie le nom de fondation du lustrum parce qu'elle marquait la fin du recensement donc désormais tout le peuple romain est recensé c'est un recensement annuel de la population et il y a ce rite des euh, suovetoriles on y viendra le roi donc vient de créer cette fameuse réforme dite centuriate des centuries qui inscrit tous les citoyens dans une série de classes censitaires en leur attribuant des devoirs notamment dans l'armée et des droits proportionnés à leur fortune d'où le classement d'après les déclarations de fortune une fois la répartition accomplie il convoque ces classes sous organisées en centuries au champ de mars et ensuite il fait tout cela la terminologie n'est pas évidente et en général, on traduit euh, lustra par euh, il purifia et conditum lustrum simplement, condere lustrum, hein, conditum lustrum, par euh, clôture du lustre ou du, 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 du lustrum. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas très évident. Commençons par la fin. Tite-Livre précise que le rite de condere lustrum porte sur la fin de l'opération du recensement. Le roi, et après la fondation de la République, les censeurs, an, tous les cinq ans, font inscrire les citoyens dans la classe et la centurie qui leur revient. Après cela, ils euh, convoquent euh, tous, tout, toutes ces personnes et les rangent dans l'ordre militaire que l'opération vient de réaliser. C'est quelque chose qu'on ne connaissait même pas au début, puisque ça dépend de la déclaration de votre fortune. Et suivant votre fortune, on vous met parmi les chevaliers dans la première classe, dans telle classe. Tout ça est refait tous les toutes cinquième année, si vous voulez. Il n'est donc pas question du passé des souillures que les citoyens auraient pu avoir et apporter à la nouvelle armée. Moi, je ne, je ne le vois pas. Il s'agit seulement de conclure l'opération nouvelle du recensement et d'inscription dans l'armée des mobilisables. C'est plutôt de l'institution, de la constitution de l'armée du peuple romain, c'est de l'ensemble des citoyens mâles, en tant qu'ensemble structuré et classé, qu'il s'agit. C'est pour cela que je traduis « exercitum lustrawit par « il constitua l'armée » et je rends « condre lustrum » par « fonder le lustrum », un terme qui signifie ici quelque chose comme ce qui a été euh, inspecté. Je donnerai d'autres exemples tout à l'heure. Et euh, il faut savoir notamment que euh, c'est plus compliqué. Ce sacrifice qui est célébré à ce moment-là est un acquittement votif. Parce que chaque lustrum, quand cette étape est terminée, on constate que le peuple romain et Rome sont dans le même état que cinq ans plus tôt. Et donc, on va sacrifier les trois victimes que nous verrons au dieu Mars et on fait le sacrifice et après on formule un vœu pour les cinq années à venir donc même le recensement le sacrifice du recensement le lustrum est votif ça montre encore une fois qu'il n'y a aucune place pour purification on acquitte un, comment, si vous voulez on acquitte une promesse conditionnelle faite au dieu mars euh, un mot sur la, les victimes ces victimes sont euh, celles que nous avons déjà vues, un verra sous, et vous voyez avec sa bandelette euh, à la tête et puis le bandeau sur le dos, un bélier, ovis, hein, et euh, un taureau, taurus, et ça fait sous, ove, taur, ilia. C'est un neutre pluriel, les so su-o-ve-tauril, donc ce n'est pas un féminin hein, singulier, c'est un neutre pluriel, et les sous Ovetaurilia, on, on appelle ça comme cela, c'est le sacrifice de ces trois victimes canoniques adultes au dieu Mars. On ne, on ne cite même pas le nom de Mars, c'est tellement évident, c'est son sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait, ce sacrifice Eh bien, il entoure la chose où le groupe, les centuries, a, qui, qui sont en cause, constitue, pour inviter le dieu Mars désormais. On a tracé le cercle autour, de monter la garde tout autour et de l'empêcher, d'empêcher quiconque, que ce soit un être animé ou un être immortel, enfin spirituel, d'agresser euh, cette chose. On a une description très belle dans les recettes euh, de Caton euh, dans son De Agricultura, où il montre la, comment on protège les moissons euh, par euh, un rite de ce type contre toute mauvaise influence physique ou euh, euh, métaphysique, si vous voulez. La ville de Rome elle-même peut être l'objet d'un lustrum de ce type. Régulièrement, lorsque surviennent des prodiges ou des malheurs, on célèbre d'un côté des expiations, de l'autre une lustratio. On peut imaginer, évidemment, ici, qu'il y a aussi des souillures qui sont faites quand la ville est occupée, etc. Mais euh, il s'agit d'objets, dans ces cas-là, bien précis, qui ont été désacralisés. Mais il n'est pas question, évidemment, des péchés des Romains. Ce serait complètement euh, anachronique. Un autre passage de Titlie nous, nous le montre très clairement. En 460, euh, il y a eu la, le soulèvement euh, fomenté par Ordeonius et euh, le Capitole est occupé par des esclaves. Euh, et quelques prisonniers et euh, donc ils s'installent parmi les temples, désacralisent tout. Euh, et euh, ils sont, évidemment, le, le, le Capitole est pris par l'armée, euh, ils sont châtiés chacun d'après sa condition, les hommes libres décapités, les autres crucifiés. On remercia tusculum, qui avait seul des alliés latins soutenu Rome. Ce qui nous intéresse c'est la suite. Le Capitole fut ensuite purifié, et reconstituer, si vous voulez, ou constituer. « Purgatum adque lustratum » Théoriquement, « lustratum » aurait suffi, mais non. Ils disent d'abord « purifier ». Pourquoi Parce que des esclaves qui n'ont rien à faire dans un lieu de culte d'hommes publics, sinon pour effectuer des tâches serviles, là, ils participent au rituel, c'est autre chose. Ici, des, des, des prisonniers... Des violences se sont installées au, au Capitole, ont euh, tout euh, désacralisé, et donc il faut euh, nettoyer tout cela. C'est comme si ça avait été foudroyé ou si ça avait brûlé. On lave avec de l'eau et ça s'appelle pourgarer. Ensuite, on refait la procession autour de, 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 de l'enceinte du Capitole et il est de nouveau constitué, constitué pour l'avenir. Euh, <coughs> cela se fait aussi pour l'armée et sous l'empire. je vous donne deux textes. Euh, l'un qui est de tacite, où vous voyez que au moment où il, corbulon va partir en guerre au-delà de l'euphrate, il fait arriver des légions d'un peu partout en syrie et euh, les réunit et euh, <coughs> euh, il y en a même qui viennent d'illyricum, donc de, de yougoslavie et d'égypte. Euh, et ensuite, il y a les troupes des rois alliés, réunis en un seul corps à Mélitène, où ils se proposait de, euh, de, de, de passer l'Euphrate. Donc il réunit tout ce monde, il constitue le corps d'armée qui va se lancer contre les Parthes. Et comment il fait Eh bien, il commence par célébrer la lustratio rite, suivant la tradition ancestrale, si vous voulez. Lustratum exercitum. L'armée. Comme tel n'existait pas auparavant. Il n'y avait que des légions, des troupes auxiliaires, des troupes alliées. Il dresse le, la liste de l'armée de campagne et avant de partir, eh bien, il réunit ce qui est présent et euh, symboliquement tout le monde est concerné. Il réunit toutes ses troupes et passe autour les trois victimes, les sacrifie et désormais il a fondé son armée. C'est une institution désormais. Connue, reconnue, enregistrée, tout le monde a prêté serment de toute façon, et euh, elle est protégée par le dieu Mars au cours de ses entreprises. Un autre e euh, exemple, c'est ici, dans la vie de César, où euh, César, là aussi, euh, enfin, Cornificius, euh, doit amener des, des légions, euh, etc. Il n'est pas encore, c'est en 48, avant la bataille de Pharsale, il n'a pas encore, euh, de Philippe, pardon, il n'a pas encore euh, ramené, euh, réuni toutes ses troupes, mais euh, il y a urgence et il demande à ses soldats, est-ce qu'on va attendre ceux qui viennent euh, nous rejoindre ou est-ce qu'on attaque tout de suite Et la troupe dit non, on y va immédiatement parce qu'il y a urgence. Et à ce moment-là, euh, il procéda. La première chose, c'est qu'il fait procéder à la de l'armée. Il constitue le corps d'armée qui va attaquer Pompée, c'est un moment, une nouvelle étape et il protège donc son armée et euh, ensuite il y a des prodiges, euh, enfin des des signes que euh, on voit ensuite dans des sacrifices. Donc vous voyez que ces actes sont très importants dans la vie militaire, laissons le recensement de côté ou le la, la, la redéfinition d'un champ ou de la ville de rome, etc. à chaque fois qu'il y a une étape nouvelle, qu'il s'agit de définir, eh bien on fait ce rite, un nouveau camp. ça veut dire qu'on a progressé et on occupe telle zone et on installe à demeure euh, un campement. à ce moment-là, il faut protéger ce campement et euh, avant d'aller plus loin, il y avait certainement beaucoup plus de recensements que ceux que nous avons vus, de, de lustrations que nous avons vues, mais euh, le, le sculpteur en a mis un certain nombre qui sont répartis à peu près ainsi sur la colonne, euh, de sorte que euh, régulièrement, euh, après un certain temps, il l'a pas placé en bas parce que c'est évident que ça se fait au début. Mais il montre là, c'est comme des étapes dans, dans la guerre euh, où euh, on a euh, ces cérémonies. Donc voilà en gros les, euh, les, les événements religieux qui figurent sur la colonne. Euh, on peut maintenant, pour terminer, euh, se demander rapidement euh, qu'est-ce que ça nous dit du côté religieux. Pourquoi dans une campagne militaire... Euh, représenter tout d'un coup ces histoires de procession, de bovins et de cochons. Euh, bon, euh, il est évident que euh, ça peut être important pour les belligérants, mais on le représente aussi pour montrer que tous les devoirs religieux ont été accomplis, puisque le commandement civil ou militaire romain comportait toujours aussi une partie religieuse, puisque c'est le consul, le prêteur, l'empereur qui est aussi investi de pouvoir religieux. Il euh, n'y a pas les prêtres et puis l'État. Il y a l'État qui agit et euh, ce que vous voyez là, c'est l'action religieuse de l'État. Les partenaires divins sont aussi dans l'action. C'est pour cela que ces cérémonies sont là, pour prouver par exemple que les vœux ont été acquittés de la manière où ils convenait pendant la campagne et qu'on n'a pas oublié de s'occuper des dieux pendant qu'on faisait tout cela. Est-ce qu'il y a une manière particulière de représenter cela Oui, d'une part, nous en avons parlé, euh, il y a des condensations euh, qui se font pour montrer, piétas, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fondé, on a ouvert un nouveau chapitre, etc. Je ne parle plus de cela. Mais il y a une manière de représenter cela qui est très cohérente et qui est bien typique du Haut Empire, si vous voulez. On peut dire, résumé, que le style religieux dont, dont on représente tout cela montre que tout est dans la main de l'empereur, des magistrats et des prêtres. Tout est sous contrôle, si vous voulez. C'est l'empereur qui est le maître à bord et qui détermine tout et les dieux agissent avec lui, en collègue, et le soutiennent. Vous pouvez le voir dans, dans deux registres. Il y a d'abord euh, le registre des Arvales, qui sont un peu notre euh, gazette officielle de l'époque, parce qu'ils ont laissé des inscriptions avec ce que faisaient tous les magistrats et prêtres de Rome. Il y a par exemple le 3 janvier 101, c'est juste avant la guerre, euh, on fait les fameux vœux pour le salut de la République. Ils se réunissent au Capitole pour acquitter et prononcer les vœux pour le salut de l'empereur, etc. Et puis vous voyez cette étrange phrase en ce jour, on n'a pas immolé. Et même chose de nouveau en 100, 105, et cette fois-ci, c'est sans aucun problème sur la pierre hac et immolatum non est. Ce jour, en ce jour, on n'a pas immolé. Alors pourquoi eh bien, euh, on n'immole pas un acquittement de vœux lors d'un acquittement de vœux quand les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Or, en 101 et en 105, on savait que les, les Das qui avaient été soumis euh, en 87 par Domitien s'agitaient de nouveau, tuaient des, 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 des alliés, agressaient des soldats romains, etc. Donc, il était clair que Décébal avait rompu les traités, etc. Donc les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, et on n'acquitte plus les vœux. Je vous ai montré euh, le texte de Titlive sur euh, la prise du Capitole par les esclaves et, et des prisonniers échappés. Eh bien, euh, là aussi, il y a un recensement juste après, et il a été un scrupule religieux, ils ont reculé d'acquitter le vœu pour le salut de Rome lors de la période du recensement, puisqu'ils disent un consul a été tué et le cap Capitole a été violé. Donc Mars n'a pas euh, joué son rôle. Donc pas d'acquittement votif. On fait juste une formulation d'un nouveau euh, vœu pour protéger l'empereur ou la ville pour la suite. Donc vous voyez là, euh, les hommes sont vraiment au commandement. Ils mènent euh, même dans un cas de guerre euh, les dieux euh, avec une certaine rudesse, comme toujours à Rome, c'est des collègues euh, politiques, si vous voulez, de très haut niveau, et s'ils ne font pas ce qu'ils veulent, ben euh, on leur donne une petite rebuffade comme ça et euh, on va de l'avant, on n'a pas peur. Et euh, voilà. Si vous regardez ensuite euh, les images. Eh bien, vous, ben voilà, le, on ressenti un scrupule religieux de fonder le lustrum, donc pas d'acquittement. Ça montre que pour Tite-Livre, déjà, c'est comme ça, et si ce qu'il dit est vrai, euh, déjà en 460, on réagissait comme ça. Euh, pour, euh, je ne sais pas ce qu'il vient faire, ah oui. Je vois mal, attendez. Sur le, la colonne trajane, le religieux euh, intervient dans les scènes sacrificielles que je vous ai montrées. Euh, c'est Lustrum, c'est le premier. Et vous voyez aussi euh, un prodige, hein, un homène, comme disaient les Romains, un signe favorable. Euh, Trajan, à une occasion, c'est une autre scène, évidemment, est en train, sur un tribunal, de s'adresser aux soldats, et euh, un brave homme euh, est-ce que c'est un, un das d'après certains ou un ouvrier passe en mulet euh, devant devant lui et euh, tombe de cheval ou de mulet et Trajan, en quelque sorte montre vers la scène en disant voilà un bon signe euh, c'est comme ça que tombera le das on a imaginé que ça voulait dire cela mais là c'est encore vous voyez l'empereur qui a, a si c'est ça l'interprétation hein, on n'a pas de texte euh, ça veut dire que l'empereur accepte un signe et il dit ⁇ Voilà, c'est un bon signe, je l'accepte. ⁇ Il aurait pu l'interpréter autrement, hein. c'est comme ça que toi tu tomberas, mais il tourne dans le bon sens comme un Romain euh, ferme et euh, qui n'a peur, peur de rien doit le faire. Il y a une autre présence divine, c'est lors d'une des grandes batailles à Tapae. Euh, il y a ici le grand barbu, là, avec du vent euh, qui lance la foudre, c'est Jupiter. Mais vous voyez que Jupiter attaque avec les Romains, il les soutient, c'est une petite marque de sa présence dans le camp romain, il soutient les soldats euh, dans leur assaut, euh, comme on ne lui a demandé. C'est en quelque sorte, il dit, on l'a demandé, il était là. Tout est, tout est clair. Euh, il y a deux autres images euh, divines sur la colonne. D'une part, quand il, euh, il passe la, euh, le, le Danube ou passe la mer, on voit Neptune ou euh, Danubius couché là. Où, bon, ça c'est des toponymes, si vous voulez. On va pas, ça n'a pas de sens religieux immédiat. Et puis, entre les deux guerres, il y a aussi une victoire qui, qui est là pour marquer... Le fait que la première campagne a été victorieuse, puisqu'on représente les campagnes de 101 et de 105. Euh, voilà donc comment se présente le religieux dans, sur la colonne euh, Trajane. Cette aide divine, un signe favorable, placé dès le début, ils ont pu le monter un peu en, euh, en propagande, et puis il y a les différents sacrifices que vous avez vus qui montrent qu'on fait. Là, euh, les gestes religieux qu'ils font, on acquitte des vœux, on, on installe de nouvelles villes ou, ou camps, etc. Pour comprendre euh, la signification et les différences, eh bien, il faut regarder euh, sur la colonne euh, Aurélienne qui est postérieure euh, de, vers 180 de, de trois générations, si vous voulez. Qui célèbre les campagnes de Marc Aurel contre les, les, les Marcomans les, sur, sur le Danube, et pendant laquelle campagne pendant laquelle il est mort. Et là, vous voyez, il y a quelques sacrifices. Il y a, euh, une, il y a deux, deux, euh, deux lustras, dont un qui est représenté là, où il semblerait qu'on représente. La euh, de l'armée, d'un corps d'armée, pour une fois, et pas un lieu précis. Vous avez les victimes, et puis Marc Aurèle euh, voilé qui euh, offre ici euh, son sacrifice euh, pour sur le dieu, etc. Euh, chez Trajan, les dieux sont là, ils se battent de, de nos côtés, mais sans excès, ils sont juste là comme toujours, et nous, c'est nous qui dirigeons. Alors que dans la colonne euh, aurélienne, c'est autre chose. C'est oui, nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais les dieux sont intervenus de façon miraculeuse. Jamais nous n'aurions pu gagner s'ils n'avaient pas été là. Ce qui est un, un changement euh, de mentalité très différent. Et on voit ça aussi dans d'autres documents. On a l'impression que le bas empire commence sous Marc Aurèle, c'est-à-dire on donne de plus en plus de place même dans la religion romaine aux dieux. Même si on continue les mêmes rites comme avant, euh, il y a des indices qui montrent une présence, si vous voulez, euh, plus affirmée et plus miraculeuse, inattendue des dieux. Alors que chez Trajan, l'intervention des dieux est attendue. On a un contrat, on fait confiance, nous, on est dans notre droit, et tout ira bien. Donc, vous euh, voyez, euh, les sacrifices sur la colonne Trajan, ou sur celle-là, euh, sont en quelque sorte à leur place, car ils font partie des responsabilités d'un commandant, et quand Trajan euh, sacrifie, ou Marc Aurel sur ses colonnes, il ne le fait pas, et surtout pas en grand pontife, comme on le lit toujours. Il n'est pas grand pontife, il n'est grand pontife qu'à Rome, et pour un certain nombre de rites. Le grand pontife n'est absolument pas le chef de la chrétienté, comme il serait le chef de la paganicité, ou je ne sais pas quoi. Le grand pontife est le chef du collège pontifical qui s'occupe de, des cérémonies de Rome ville et qui peut éventuellement être consulté par des colonies romaines sur des règlements religieux. Mais c'est tout ce qu'il fait. Non, quand il est là, la tête voilée, c'est l'empereur, investi de ses pouvoirs civils et militaires, qui sacrifie. Et il est obligé de le faire parce que ça fait partie de ses responsabilités de commandant. Euh, les sacrifices, oui, il y en a un certain nombre, vous l'avez vu, euh, très variable, mais on ne représente pas n'importe quoi. On utilise des scènes sacrificielles euh, pour manifestement transmettre un message qui peut être minimal, ac acquittement de vœux, arrivée euh, en bonne santé, piétas, euh, partout on associe les dieux à cela parfois acquittement plus spectaculaire avec quatre victimes, peut-être de vœux, renvoi de vœux pour le salut après une phase difficile. Et enfin, vous avez aussi ces illustrations de, de, de camps ou de troupes, comme chez Marc Aurel, qui sont structurantes. Elles montrent des débuts de campagne, des d'action ou des fins d'action, etc., des étapes, etc. Et le plus généralement, vous le voyez, je l'ai dit en commentant, on a toujours, euh, on a l'impression qu'on a toujours des scènes très réalistes des rituels, qui vous euh, montrent euh, une scène qui est prise sur le vif et qui ensuite est condensée par l'artiste en fonction de tradition. Montrer une immolatio pour dire pietas ou sacrifice, ça se fait déjà depuis le deuxième siècle, au moins avant notre ère. Dans d'autres cas, il fait des associations plus originales avec ces victimes qui tirent la langue, qui sont saisies à un moment du processus euh, sacrificiel. Mais c'est toujours pour transmettre d'autres messages. Ce ne sont pas de simples descriptions du sacrifice, même si nous sommes très contents d'avoir quelques images avec euh, cette boucherie sacrificielle un peu détaillée, plus détaillée que dans les textes. Je vous remercie.